Nous avions testé le Fresh Express de Moulinex en mai dernier et formulé quelques critiques. Depuis, un nouveau modèle est sorti, le Fresh Express Max. Voyons voir ce qu'il a dans le ventre. Tout d'abord, une bonne nouvelle. Sur le nouveau modèle, le bouton marche-arrêt a été revu et corrigé. Nous avions en effet signalé que l'on pouvait déclencher la mise en route par inadvertance en voulant retirer les accessoires. Désormais, il suffit de placer le bouton au milieu et un système de sécurité le bloque. L'autre bonne nouvelle concerne les accessoires. Les cônes sont devenus plus grands et la goulotte s'est élargie. Mais le corps de l'appareil, lui, est devenu plus encombrant. Autre amélioration, la puissance. Elle est passée de 150 à 260 watts. Nous avions vu que le Fresh Express n'était pas si express que ça dans sa première version. Celui-ci est effectivement plus rapide. Ce modèle est donc à deux vitesses, mais à la lecture de la notice, il n'est pas toujours évident de savoir laquelle utiliser. Ainsi, la vitesse lente est recommandée pour les aliments mous ou fragiles, des poires, des avocats, etc. Mais elle est également recommandée pour des aliments durs, comme le chocolat ou le parmesan. Dernier détail, le prix a lui aussi évolué. Le modèle avec 5 cônes est vendu entre 70 et 90 euros, soit 20 à 30 euros de plus que la version antérieure. Quant à la garantie commerciale, elle est d'un an. Mais n'oubliez pas que vous bénéficiez toujours d'une garantie légale de conformité et contre les vis cachés et qu'elle est de 2 ans.